Salut à tous, bienvenue pour une autre vidéo de ce dessus le niveau diabolique. Bon, voici la grille d'aujourd'hui et je vais le faire, je vais essayer de le faire sans mettre des tendas. Bon, dans la première région, le 1, déjà présent, c'est la première colonne, la deuxième colonne. Donc ça, c'est interdit, ces tendas-là sont interdits au 1 ici. Là. Donc le 1 est interdit là aussi et déjà sa troisième ligne. Donc, sa seule place possible, c'est là. Même chose de la région 8, le 3. Il ne peut pas être dans cette tasse-là. Il ne peut pas être dans ces trois tasses-là. Il est déjà présent à sa 9e ligne. Déjà présent à sa 7e ligne. C'est là ou là. Mais il est déjà présent à sa 6e colonne. Ici, il y a déjà un 3. Donc le 3 va là. Bon, région 4, le 3. Le 3 est présent sans première colonne, c'est interdit cette tasse-là. Le 3 est déjà sa 4e ligne et la 6e ligne. C'est interdit cette tasse-là et c'est interdit cette tasse-là. Donc, le 3 va là. Bon, il manque, dans la région 4, il manque le 4, le 6 et le 7. Bon, ici, dans la somme, il faut, il manque 4, 6, 7. Vous voyez, sur la 6e ligne, il y a déjà un 4. Mais si la colonne, colonne 3, il y a déjà un 6. Tac 6, donc ça ne peut pas être tac 6, c'est donc c'est le 7 qui va là. Ces deux tasses-là doivent retenir tac 6. Celle-là aussi doit retenir tac 6. Bon. Faut que j'avance à tort, là. Il y a toujours celle qui a moins de chiffres à trouver. Ça, c'est important. Celle qui a moins de tasses possible, 3 tasses, tac tasses. Deux tasses. Bon. On s'intéresse à la 7e ligne ici. La 7e ligne ici, là. Il doit avoir son 1. Donc, le 1 ne peut pas être dans ces deux tasses-là parce qu'il est déjà dans la région 7. Le 1 ne peut pas être dans cette tasse-là parce qu'il y a déjà un 1, c'est la 4e colonne. Le 1, il ne peut pas être dans la colonne 8. Et la colonne 9, parce qu'il y a déjà son 1E. Il y a déjà son 1E. Dans la seule place possible, le 1, c'est cette tasse-là. Oh, la 4e ligne, il manque le 2, le 4, le 6 et le 9. On ne peut pas déduire ici. 4, 6, 6, 9, 2, 9, 2, 4, 6, 9. Je ne peux pas déduire. Bon, la première colonne, il manque le 4, le 5, le 6 et le 7. Terre 5, terre 6, terre 5, c'est 7, puis terre 5, 7. Je ne peux pas déduire. Je vais d'ailleurs. Une place, je sais, ça marche une place. Bon, la troisième colonne, il manque 2, 4, 8, 9. Donc, ici, il manque 4, 8, 2, 4, 9, 4, 8, 9, 2, 4, 8, 9. Ouais. C'est pas mal difficile, hein?
Dedans, la colonne 10, là, pas colonne 10, il y a juste 9 colonnes. La 9e colonne, il manque le 4, le 5, le 6 et le 9. C'est 4, 5 qui manque là. 4, 6. 4, 5, 9. 4, 5, 6, 9. Parce que j'ai vu que le 6 n'allait pas là, dans cette case-là, parce qu'il est forcément là ou là. Création de ligne ici. Elle est pas mal difficile, celle-là, là. Tant que j'ai pris un diabolique, là. La région 6, là. La région 6, il manque le 2, le 4, le 6 et le 9. 6, 9, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 9. Je ne peux pas déduire. C'est un peu diabolique, ça, là. On va dire qu'il est bien plus dur que le diabolique, là. On va voir ça, là. Ah, il est pas mal difficile. Pas mal difficile parce que je vois des. Je trouve pas de chiffres à ce moment-là. Là. Ouais, une minute. Je vois un double. Là. Regardez une fois la colonne 6, là, il y a un double avec les 1 et les 7. Ici, c'est 1 et 7. Ici aussi, c'est 1 et 7. Parce qu'il ne peut pas être ailleurs. Il y a déjà un 1 et un 7 qui bloque ces deux tasses-là dans la région 2. Ça te donne 4, sur la ligne 4, il y a déjà un 1 puis un 7 qui bloque cette tasse-là. Puis en donnant la ligne 8, il y a déjà un 1 puis un 7. Donc ça signifie que tu as un 7 va là et un 7 va là. Tu peux m'aider ici. Si un 7 va là, ça ne peut pas être le 8 qui va dans cette tasse-là. Donc ça signifie que le 8 a une seule place possible pour se placer. En donnant la région 5, là, le 8 ne va pas dans cette tasse-là. Il va pas dans ces deux tasses-là non plus, parce qu'en donnant la ligne 4, il y a déjà un 8. Puis en donnant la ligne 6, il y a déjà un 8 ici. Tu bloques ces deux-là. Et sur la colonne 4, il y a déjà un 8, il bloque ces deux tasses-là. Donc, il peut pas être dans cette tasse-là. Il peut pas être là, 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 ni là. 8 va directement dans cette tasse-là. Parce que ici, c'est forcément 1 puis 7. Ça peut pas être le 8. Non, en mettant le 3, là, en mettant le 8, là, c'est un peu désuir. D'attendre il faut, là. Le 2 palais là et là aussi. Alors, il y a deux places possibles. Je surveille le 1 plus 7 là, ici. Là. Je surveille si ça marche de ta part. Non, ça ne marche pas. J'ai pu trouver le 8 ici, là, dans la région 5. Là. Oh, si j'ai mis le 8 là. Alors, dans notre fou, la région 5, il y a un double avec le 1 plus le 7. Mais alors, dans le 1, là. Quatrième ligne, il y a déjà un 1 qui est ici. Ça bloque ces deux-là. Sixième ligne aussi, il y a le 1 qui bloque ces deux tasses-là. Soit le 1 va là ou là. Mais il ne peut pas être dans cette tasse-là, il est déjà présent sur la quatrième colonne. Donc, c'est le 7 qui va là. Le 1 va là. Bon, la région 8. Le 7. Il ne peut pas être sa quatrième colonne, il est déjà présent. Il ne peut pas être sa cinquième colonne, il est déjà présent. Donc, forcément, sa sixième colonne est à ta part. Il ne peut pas être dans cette case-là, il est déjà présent sur la huitième ligne. Donc, le 7 va là. En mettant le 7, ça permet de mettre le 1 aussi.
Parce qu'il y avait le 7 et le 1 en double tout à l'heure, je viens de les mettre. Région 8, le 1 ne peut pas être dans cette case-là, ni dans cette case-là, parce que c'est déjà présent, c'est la ligne 7 et la ligne 8. Donc, forcément, c'est la ligne 9 de ta part. Donc, il ne peut pas être la quatrième colonne et déjà un 1. Donc, le 1 va dans cette case-là. Bon, c'est la région 8, il manque le 4, le 5, le 9. 5-9, 4-5-9, 4-5-9. Bon, région 5 ici. Le 2. Il peut pas être dans ces deux tasses-là parce que c'est déjà présent sur la sixième ligne. Ça bloque ces deux-là. Le 2 peut pas être sur cette tasse-là. Il est déjà présent sur la cinquième colonne. Donc le 2 va dans cette tasse-là. Bon, région 6. Le 2. Il ne peut pas être dans la quatrième ligne, déjà présent sur la quatrième ligne. Il ne peut pas être dans cette tasse-là. Puis il ne peut pas être dans cette tasse-là, il est déjà présent sur la sixième ligne. Puis il ne peut pas être là parce que c'est déjà sur la neuvième colonne. Donc le 2 va là. Bon, ensuite, sa cinquième ligne montre le 4 et le 6. Je ne peux pas désuire. Bon, la cinquième région, 5, 6, 9. 6, 9, 5, 6, 9, 5, 6, 9. Ensuite, le 5 va là ou là. Parce que c'est déjà présent dans cette case-là. Maintenant, dans la sixième colonne, il manque le 5, le 8 et le 9. 5-8, 5-8-9, 5-9. Donc, c'est le 4 va là ou là. Ça ne mette pas trop. Ça élimine le 4, mais ça n'avance pas plus. Je donne ailleurs. Bon, région, je donne ailleurs, région 7 ici. Il doit avoir son 7, cette région-là. Donc, ça veut dire que tu as déjà un 7, c'est la 8e ligne et la 9e ligne. Donc, ça interdit toutes ces tasses-là ici. Soit il va sur la ligne 7, à un des deux. Mais il y a déjà un 7 ici. C'est la troisième colonne, il y a un 7. Donc, c'est interdit, il y a un 7 de mettre là. Donc, le 7 va dans cette case-là. Première région, le 7. Il est présent sur la troisième ligne. Donc, c'est interdit ces trois tasses-là. La deuxième colonne, ça interdit ces deux tasses-là parce qu'il y a déjà un 7. La seule place possible, le 7, drette là. Bon, troisième région pour le 7. Le 7 est présent sur la deuxième ligne, troisième ligne. Il ne peut pas être dans cette tasse-là, il ne peut pas être là. Il est déjà présent sur la septième colonne et la neuvième colonne. Donc, il ne peut pas être présent dans ces deux tasses-là. Dans la seule place, pour le 7 is here. Est-ce que j'ai mis tous les 7? Oui, les 7 sont mis. Pas besoin de m'inquiéter pour les 7. En même temps, le 7 dans la région 3, on peut trouver un 3. Le 3 est présent sur la deuxième ligne, ça interdit ces deux-là. Le 3 est déjà sur la septième colonne et la neuvième colonne. Donc, ça interdit ces tasses-là. Cette tasse-là. Donc, le 3 va là. L'ensuite, le 3 va dans cette tasse-là, c'est la première ligne. Première région. Là. Le 3 est la seule place possible. Parce que c'est déjà présent sur la troisième ligne, deuxième ligne. Donc, le 3 va ici. Les 3 sont faits. Mais maintenant, le 3, sa première région, ça libère la place pour le 2. En donnant la troisième ligne, le 2 est présent, élimine ces 3-là. Donc, le 2 va là. Bon, deuxième région pour le 2. Le 2 est présent sur la deuxième ligne, la troisième ligne, ça interdit ces tasses-là. Le 2 est déjà présent sur la cinquième et sixième colonne. Le 2 va pas là, puis il va pas là. Donc, c'est la seule place pour le 2, c'est là. Bon, c'est qu'il manque sa première région, il manque le 4, le 5 et le 8.
4-8, 4-5, 4-5-8. Lancer ces deux-là, ça peut pas être 4-5-8 ici, là. C'est 6 puis 9. Ben, en donnant la colonne, 6, c'est déjà un 6. Donc, c'est le 9 qui va là, puis le 6 à droite. Bon. En donnant comme il faut, là, faut bien regarder. Dans ici, il manque 4-9. En dedans, la quatrième ligne, il manque 4-6-9. 4-6-9. 4-6, 6-9, 4-9. On peut pas les ouvrir. Faut que j'aille ailleurs. Pas oublier, c'est un diabolique, hein. C'est marqué en bas, là. Evil puzzle. Evil, ça veut dire diabolique. Hein? Ou diable, là, mais on dit, evil, c'est diabolique. Bon, on n'est pas loin. Dès qu'on va trouver quelques chiffres, là, ça va débloquer toute la grille. Bon, on n'est pas bloqué à tort. Dans la région 2, le 6. Il doit avoir un 6 dans un de ces 14-là. Donc, en deuxième ligne, il y a déjà un 6. Donc, ça bloque ces deux-là. Il doit être là ou là. Il y a déjà un 6 sur la colonne 6. Donc, il ne peut pas être dans cette case-là. Donc, 6 ici. En donnant la 6, sa colonne 5, ça élimine ces deux tasses-là de la région 5. Donc, ça signifie que le 6 va là. Là, on peut t'empêter la région... oui, on peut t'empêter la région 6 ici, là. Il manque le 4, le 6 et le 9. Là, vous voyez, tu as déjà un 4 et un 6 sur la sixième ligne. Ça bloque ça. Donc, c'est le 9. Bon. Le 6, il ne va pas dans cette case-là. Il va forcément là, dans la région 6. Et on complète la région 6 avec un 4. Parce que c'est le dernier chiffre. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le 4. Voilà. Et en mettant le 4, c'est la région 6. On peut compléter la région 4 en même temps. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Il manque 4, 6 ici. Donc, ça ne peut pas être le 4. C'est le 6. Et le dernier chiffre, c'est le 4. Là, on peut compléter la région 5. Il manque le 5 et le 9. Ça peut pas être un 5. Il est déjà présent sur la quatrième ligne. Donc, c'est le 9. Le dernier chiffre de la région 5, c'est le 5. Bon, colonne 5. 1, 2, 3. Il manque le 4. Donc, le dernier chiffre, c'est le 4. Le 4. Bon, région 2, on peut compléter la région 2. 1, 2, 3, 4. Il manque le 5 et le 8. Donc, le 8 est déjà présent sur la quatrième colonne. Donc, ça signifie que le 8 va là. Le 5 va dans cette case-là. Puis, du même tout, dans la région 8, le 5, la seule place possible que le 5 va là. Parce que dans la colonne 6, il manque un chiffre. C'est le 5 qui manque. Bon. Ces deux tasses-là de la région 8 et la colonne 4, il manque le 4 et le 9. On ne peut pas savoir. On le met de côté, on continue tout à l'heure. On va le continuer tout à l'heure. Bon, première ligne. Il manque le 4 et le 5. Non, ça peut pas être un 4. Le 4 ne peut pas être dans cette tasse-là. Comme j'avais dit, il manque 4 et 5. Donc, c'est le 5. Puis le dernier chiffre de la première ligne, c'est le 4. Voilà. Bon, la région 3. On peut compléter la région 3. Il manque le 8 et le 9. Ces deux tasses-là doivent tenir 8 ou 9. Mais en donnant la 8e colonne, il y a déjà un 9. Donc, ça signifie que le 9 va dans cette tasse-là. Le dernier chiffre, c'est le 8. Bon, colonne 7. Dernier chiffre, c'est le 8. C'est le seul chiffre possible. Bon, région 7, ici. Le 8. Le 8 est présent sur la 8e ligne et la 9e ligne. Donc, il ne peut être dans ces tasses-là. Donc, le 8 va dans cette tasse-là. Et du même tout, ça permet de trouver le 8 dans la première région. Il va ici. Parce que le 8 est déjà présent sur la première colonne et la 3e colonne.
Non, le 8 va là. Bon, 9, 8, 7, 6, il manque le 5 et le 4. Là, il y a déjà un 4 ici, donc le 5 va dans cette case-là. Le 4 va là. Je suis pas loin de la compléter, c'est entendu là. C'est la vérité. En donnant la vidéo. Bon, talon 1. 1, 2, 3, 4, 5, il manque le 6. Il manque le 6 à la première talonne. Là, ensuite, c'est le dernier chiffre possible. C'est la seule tasse possible, c'est le 6. Bon, la région 9. Il doit avoir un 6 dans la région. Il y a 5 tasses qui restent, puis il doit avoir un 6. Moi, je prédis que le 6 va dans cette tasse-là, ici. Pour toi, parce qu'en regardant la ligne 7 et 9, il y a déjà un 6. Là, là, là. Puis il y a déjà un 6, la colonne 9. C'est interdit. Toutes ces tasses-là, ici, sont interdites au 6. La seule place possible, c'est là. Bon. Bon, colonne 9. Il manque le 5 et le 9. Il y a déjà un 5 ici, donc ça permet de trouver le 9 ici. Puis la dernière chiffre de la colonne 9, c'est le 5. C'est ça, le 5 et le 9, c'est ça. Vous voyez, tous les chiffres sont uniques, ils ne sont pas présentés deux fois. Là, c'est les lignes, talonne, région. 9, 8, 7, 7, 5, il manque le 4 et le 2 ici. En donnant la région 9, puis la ligne... non, la région 9 et la talonne 8. Il manque le 2 et le 4. Donc, le 4 va ici. Le 2 va ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, là, vous voyez bien, c'est la septième ligne manque le un chiffre, c'est le 9. Le dernier chiffre. Puis la région 8, il manque le 4. Voilà. Là, je fais les gros chiffres juste au petit chiffre. Bon, là, on est capable de compléter la région 7, là. 9. Le 9. Présent sur la deuxième colonne et présent sur la huitième ligne, donc le 9 va ici. 9, 8, 7, 6, 5. Le 5 est déjà présent sur la ligne 8. La seule place possible, le 5 va et là. Mais là, c'est facile à voir sur la 9e ligne et c'est le seul chiffre manquant. Donc, c'est le 5. Bon, le 4. En attendant, la colonne 2, il monte un chiffre. Donc, le 4, c'est la seule chiffre possible. Et on va compléter la colonne 3 et la région 7. C'est le 2, le dernier chiffre d'adrille. Puis j'ai compléter la grille à 100%. 100 tasses d'eau, je l'ai eu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vais vous retrouver dans tel toujours pour d'autres vidéos de Mastermind sur YouTube et Nero. Bonne journée à tous.